comment ça va? Moi ça va trop bien. Je m'appelle Verity et je vous adore. Moi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est pas grave, on a encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si vous êtes abonné, vous êtes quoi, vous trois? Des véritables YouTube ninjas. Ouya! Ouya! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Verity? Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va tester toutes les nouvelles trottinettes électriques. Oui, nous sommes dans la ville de Lyon. Scooter, nouvelle trottinette électrique. Trottinette électrique qui sont disponibles dans la ville. Et voilà, c'est parti. Ah, j'adore les dots parce que les bouts sont en caoutchouc et il y a plusieurs couleurs. On choisit laquelle, maman? Pourquoi pas la rouge là? D'accord. Ça y est, on scanne. Voilà. Parfait, mon cœur. La batterie est à 100%. Il reste 56 km et 13 heures de batterie. Je vois qu'il y a beaucoup de place là pour les jambes. C'est très simple, ça dit juste push and go. Donc pousse et allez. La torche est là aussi, regardez. C'est superbe. Donc on peut utiliser la trottinette même le soir. C'est parti. La texture est vraiment différente hein, sur les poignées. Ah, oh, génial! Comment on fait pour accélérer? Mais il y a du monde, hein. On attend les feux. Il y a des trottinettes, des vélos, mais tout à Lyon. Donc c'est super sympa si on ne veut pas prendre la voiture ou prendre le métro. C'était sympa la lime, hein? Il faut toujours arrêter la trottinette parce que sinon vous allez être facturé et quelqu'un d'autre l'aura utilisé. Tu peux faire une pause ou bien tu peux terminer ta course et nous l'avons terminé donc c'est éteint. On passe à la voie. Alors je prends l'application de la voie. Ouais. Tu as l'application de la voie? Oui. Oh, ça a l'air sympa. Les freins sont différents là. Il y a go, stop. Il y a une cloche qui fonctionne. Génial. Oula, regarde, il y en a plein. Il y en a tout plein dans la ville. Wow. Incroyable. Verity va scanner le code barre. Il y a 80% de batterie ici. Et voilà, le temps commence. J'aime bien celle-là parce qu'il y a, en fait, il y a des phares là-dessus. Je trouve ça sympa. Bravo, ouais. Ah oui, si, il faut pousser un peu au départ. Les poignées sont agréables en bas. On peut avertir parce qu'il y a une cloche. Oui, on peut avertir les gens quand on vient. Il y a la cloche et j'aime bien la voir. On continue. Oui, je vois une pierre là-bas. Il y a une pierre? Elle est où la pierre? Là. Nous avons adoré. Oui, on laisse un pouce bleu pour la voix. C'est super sympa à Lyon. Il y a toujours plein de scooters disponibles. La tierre ressemble un peu à la voie car il y a le vert pour le go et le rouge pour les freins. Verity va scanner. On avance. On adore. C'est super agréable. Hein? Nous allons essayer de trouver une autre marque de trottinette, une plage. Ça nous a coûté 1,90€. On a fait 6 km. Maintenant, on va prendre la flash. On vient de la toucher et il y a la lame qui sonne. Oh là là. Attends. Ça s'active. Voilà. J'aime bien, il y a une porte-bouteille. Oui, ça, c'est agréable parce que là, on a vraiment soif. Hein. Donc, avec le flash, on peut mettre sa porte-bouteille là ou même. Un téléphone. Tu penses qu'on peut mettre le téléphone là? C'est pas un peu dangereux? Si vous voulez, vous pouvez mettre votre téléphone comme là, ça, mais on ne le conseille pas. Je trouve qu'il y a un peu plus de place sur la plage. Et c'est parti. Oh, ça fait un gros.
À toi? Oui, elle est vraiment sympa. Et si on avait une bouteille d'eau, ça sera parfait. Et on a utilisé... Nous avons utilisé la clochette quand il y avait du monde. Ça nous a coûté 1,80€. Oups! 1,88€ pour 3 minutes 30. Donc c'était plus cher quand même le flash. Et là, on va essayer le bird. Elles sont belles, hein? Ouais, j'ai l'impression que les roues sont plus petites. Ah oui. Et beaucoup plus dures. Mais j'adore le design. C'est beaucoup plus grand ici où on met les pieds. Ah ouais. Parce que le flash, là, c'est tout pareil. Là, c'est la même taille. Ah oui, parce qu'on peut mettre les deux pieds comme ça. Donc là, on peut mettre deux pieds et là, on peut mettre une pied. Il y a des cloches qui fonctionnent. Elles se ressemblent un peu tous. Mais elles ont tous leur design un peu unique. Et elles ont aussi l'air super neuves. N'oubliez pas que si vous voulez utiliser ces scooters, ces trottinettes, il faut bien télécharger l'application avant. Ouais, c'est bon. Elle a débloqué. Les copains et les copines, on a besoin de votre aide. Comment ça s'appelle ça? De quoi? C'est quoi le nom? Dites-nous dans les commentaires sur Instagram, parce que là, Vérité et moi, on ne sait toujours pas comment ça s'appelle. Je vais toute seule. Non. Ok, d'accord. Et Vérité aussi, et ça marche. Nous avons fait 8 minutes et nous avons fini le trajet. C'était super agréable. Hein. Je pense que le bird est vraiment super sympa. Ça s'est arrêté, c'est bon. Surtout parce que quand on est derrière, on peut poser ses deux jambes. Là, c'est possible d'évaluer le trajet. On sait que ça nous a pris 9 minutes et ça a coûté 2,35€. Moi, je mets 5 sur 5. 5 sur 5, voilà. Les copains et les copines, il y a juste la Win qu'on n'a pas trouvé. On va chercher sur le téléphone. Win veut dire vent, le vent. Elles sont super rares et elles sont super loin. Nous, on est là. Ouais, regardez. Ouais. Nous sommes juste ici et il y en a pas mal de Wins là-bas, place des Jacobins. On y va? Oui. Mais à pied cette fois-ci, hein? Oui. On peut quand même marcher. Ça fait bizarre quand nous avons passé la plupart de la journée en trottinette, tout d'un coup de prendre des pas. Allez, est-ce qu'on peut courir? On essaie de courir? Oui. On va essayer de courir. Nous avons trouvé les Winds. On va prendre celle-ci. Oui, attends. Elles n'ont pas l'air super propres. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça ne marche pas du tout. Je l'essaye toute seule. Ça nous a coûté 1,30€, 1,45€. Pourtant, ça ne marche pas du tout. C'est pas juste ça. C'est pas juste. En plus, on ne voit même pas si la batterie est en marche. Donc, pour le Wind, on donne 0 points. On est vraiment déçus. On va le laisser là. On va le dérouler. Ça, c'est pas juste du tout. On va essayer de voir si on peut être remboursé ou pas parce que ce n'était pas du tout chargé. C'est pas juste, hein. 1,60€, pas cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était pas bien. Donc, pour le Wind. Les copains et les copines, nous avons testé 7 trottinettes électriques différentes. Sur la ville de Lyon, c'était super bien. On a adoré. Notre préféré était lequel, Vérité? La Bird. Oui, on a vraiment aimé la Bird. Ensuite, le... La Flash. On a adoré la Flash. On a adoré la Flash. Donc, on a Bird en première, ensuite la Flash. Mais nous n'avons pas du tout aimé le Wind. Le Wind, on n'a pas aimé. Mais vous, quelles sont vos trottinettes électriques préférées?
Dites-nous sur les commentaires sur Instagram, on aimerait vraiment savoir. Et aussi si on a des nouvelles. Oui, si vous avez des trottinettes électriques dans votre ville qu'on ne connaît pas, il faut bien nous dire, on aimerait savoir et peut-être aussi les tester. Oui. Bon, amusez-vous bien avec vos parents. S'il fait beau, sortez comme nous. S'il fait pas super beau, restez à la maison et jouez. Au revoir les amis, mais ma vidéo n'oubliez pas. Un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois les amis, gros bisous.